There was a question that was over here somewhere at the beginning. It had to do with the mulch. Put a thick mulch on it and it like killed the crop. So I asked the question, you know, how thick can a mulch be? And also what are the C to N ratios of a mulch, whether living or applied as straws? Carbon to nitrogen ratio in things like legumes tends to be very low. The legumes and radish, maybe one, like in a radish or a legume, maybe 1 to 20 or 1 to 15, very low. When you have, donc, C sur N, donc c'est le rapport de la quantité de carbone sur la quantité d'azote. Et dans les légumineuses, qui sont justement très riches en azote, on a des rapports C sur N très bas, puisque par chaque unité de carbone, on a énormément d'azote. Donc c'est des rapports C sur N de 1 dixième ou 1 quinzième, parce qu'on a beaucoup plus d'azote que de carbone dans une légumineuse. So when you have a cereal, like a rye, that grows this tall, it may be 40 or 50 to 1. Et donc, à l'inverse, une graminée qui est très haute et très développée, et donc qui a beaucoup de cellulose et peu d'azote, eh ben, elle a un rapport C sur N de 40. Donc il y a une différence énorme suivant le type de couvert que vous utilisez avec toute la famille des légumineuses qui ont des rapports C sur N très faibles et les graminées, des rapports C sur N beaucoup plus élevés. Puis après, un arbre, c'est des rapports C sur N énormes. And then I heard some people talking about wood chips, using wood chips, and I think that's even higher, maybe 100 or 120 to 1. Ouais, et Gilles, le rapport C sur N du BRF, par exemple, ou du mulch de bois? Entre 50 et 150. Ouais. Between 50 and 150, depending on the freshness of the wood. And if it's heartwood, it could be up to 1,000 because there's so little nitrogen and they're so carbon dense. So the reason I ask is I want to make sure we understood that. Because if we're putting, it depends what the consistency of the mulch when we're putting it on. If it's really fresh and tender and a legume, it's available. The nutrients become available to the cash crop very quickly. Et donc, par rapport à la question de l'épaisseur d'un mulch, ça dépend vraiment du rapport C sur N du mulch, la façon dont on va répondre à cette question. Parce que si on a un mulch de plantes vertes et tendres, comme du gazon ou a fortiori des légumineuses, c'est un rapport C sur N très faible. Et du coup, la plante, elle est tendre. Il n'y a pas beaucoup de lignine, il n'y a pas beaucoup de cellulose, il y a beaucoup d'azote. Et du coup, elle disparaît très vite. Voilà. Plus il y a de carbone, plus ça met longtemps à se faire digérer, quoi. C'est ça qu'il faut se souvenir. So if there's a mulch that has a high carbon to nitrogen ratio, in order for that to break down, the microbes, they're going to have to eat it, and they'll get the nitrogen first, because they need that to survive, and then to eat it. So that's how sometimes we can have a deficiency. I don't know if that was the problem here. Mm-mm. It could be, but when we're going into a system, especially that's new or fresh, that can be more of an issue. Et le souci avec les mulches épais, surtout s'ils sont riches en carbone, donc avec un C sur N élevé, c'est qu'on peut avoir ces soucis de fin d'azote qui peuvent aussi être responsables du fait que la culture n'ait pas bien progressé. Ok, let's talk here about transitioning, as I understood the question, transitioning from using compost and mulch more to living cover crops. Is that growing your mulch? And I think that's ideal because then you got the benefit of the roots in the soil. I mean, that's why you want to do that. Donc là, je reprends la question pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin. Je la reprends en français. Donc là, il s'agit d'une question qui avait été posée sur la transition de mettre un mulch rapporté comparé à planter son couvert végétal. Et là, Steve insiste vraiment sur le fait que, ben voilà, un couvert végétal, tu as tout l'avantage du racinaire en plus. C'est pas juste un mulch de surface. Voilà, tu travailles en profondeur. Enfin, tu travailles ton sol avec les racines, quoi. What about using compost before putting cover crops? I mean, like you put compost for cash crops. You can do compost for cover crops. You do whatever you can. Without knowing exactly. You make a transition slowly. Yeah. You start trying to grow more. You heard all the ideas here about how to control, and you just try to go move that direction. I know there's limitations, but you just try to do many, many different options. I mean, using compost whenever you can. Is it available to you? Do you have to pay a lot of money or get it free? Right. All these questions. That too.
You know, you have a very, very good rich soil, or you have a very, very poor soil. Well, then a very poor soil is like, you need to be the ambulance. You know, you need to come do triage right away. You need to... Voilà, il dit que de ces décisions-là, d'utiliser ou non un compost en plus d'un couvert végétal, ça dépend de l'état du sol. Donc, il faut vraiment savoir lire son sol, l'évaluer. Et il y a des sols très, très pauvres. Et là, voilà, il faut mettre tous les moyens. On envoie l'ambulance, c'est le triage. Et puis, on y va, quoi. Et on met tout en œuvre pour retaper le sol le plus vite possible. Et il y a des cas, voilà, si on a un sol assez bon, il n'est peut-être pas nécessaire de mettre un compost pour que le couvert ait l'effet qu'il doit avoir, quoi, et qu'on attend de lui. The other question was, and basically, as I had understand it, you know, how to make this transition without going broke. How do you I mean, this is all great, and you want to go home, I want to do this. But it costs money. Yeah. It takes money. It takes some careful thought and planning. Et donc là, tout ça, c'est bien beau, mais quand on rentre chez soi et qu'on veut mettre ça en place, eh ben, ça coûte de l'argent, hein, parce qu'il faut se procurer les graines de couvert. Ça prend du temps de planification, ça prend du temps de mise en place. Et donc, the best advice I can give, and it's we've talked about this a couple different ways, is you have to just go slow and careful and talk to people that you learn to know here to get their advice. Don't make the mistakes that are unavoidable. I mean, I think that's just good. Learn all you can and then start slow. Et donc, son conseil à lui, c'est vraiment de commencer doucement et d'aller doucement et régulièrement en écoutant les expériences des autres, en partageant les expériences au maximum et à chaque fois en se disant, voilà, qu'est-ce qui se passerait chez moi dans mes conditions, avec mes objectifs, et puis y aller doucement et régulièrement.